Mais à la question, la physique, est-ce qu'elle est la même sur le manège ou sur le sol à l'extérieur? En termes clairs, si l'on fait une expérience, est-ce qu'elle se déroule de la même manière? Si on observe un phénomène, est-ce qu'il a la même évolution? Et d'une manière plus générale, qu'est-ce qui se passe lorsque les physiciens veulent décrire leur phénomène sur un système, on appelle ça un système de référence extérieur, et ensuite passer à une description sur un autre système de référence qui tourne par rapport au premier? Voilà la question, et pour y répondre, eh bien, je vais vous confier à faire un tour de manège avec moi. Vous voulez venir, madame? Et voilà, venez, je vous en prie. Vous vous asseyez, où vous voulez. Monsieur, allez, je vais aller un petit peu plus vite. Madame, mademoiselle, vous, voilà, allez-y. Vous essayez de vous répartir à peu près à égale distance les uns des autres. Hein. Monsieur, vous voulez venir? Voilà, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Monsieur, vous êtes grand, ça ira très bien. Allez, tu veux venir? Voilà. Voilà, vous répartissez. Voilà, c'est bien. Bien, on va fermer. Mais auparavant, rappelez-vous, vous êtes dans un train. Le train roule en ligne droite, à 140 à l'heure. Ça a dû vous arriver. Hein. C'est un train de nuit. Vous êtes dans votre compartiment, et puis vous vous réveillez, les rideaux sont baissés. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Vous vous dites, on roule ou on ne roule pas? Rien à l'intérieur de votre compartiment ne vous permet de savoir que vous roulez, c'est même extraordinaire. Il faut relever les rideaux pour voir si le paysage défile ou si vous êtes à l'arrêt dans une gare de province. Hein. Le mouvement en ligne droite, à vitesse constante, à 140 à l'heure, rien ne le met en évidence. C'est comme si vous étiez dans votre chambre. Le premier qui a affirmé cela, il y a 3 siècles, c'est Galilée. Il a dit, le mouvement rectiligne et uniforme, c'est le nom, hein, mouvement en ligne droite à vitesse constante. Il a dit le mouvement rectiligne et uniforme est comme rien. C'est un soupçon de mouvement, un soupir. On se demande même s'il a une réalité. Par contre, que le train freine brutalement et vous sentez plaque boulée vers l'avant, que le train accélère brutalement et vous sentez plaqué vers l'arrière, si le train prend un virage à gauche, vous savez bien, vous sentez déporté à droite, ça y est, les yeux fermés, vous êtes capable de dire on freine, on accélère, on tourne. Pourquoi? Vous n'avez pas eu besoin de relever les rideaux. Simplement parce qu'à ce moment-là, vous avez senti des forces qui vous déportent. Ces forces sont ce qu'on appelle les forces d'inertie. Et le but de ce manège, c'est de vous les faire vivre. Allez, on tourne. On accélère. On accélère. On accélère toujours. On va tourner à une vitesse maximale de 10 tours à la minute. C'est-à-dire que, comme vous êtes assis sur la périphérie, et moi je m'y trouve placé aussi, eh bien on passe devant les gens qui nous regardent ici environ à 2,5 mètres à la seconde. Eh bien vous allez ressentir la première de ces forces d'inertie. Et les spectateurs extérieurs vont d'ailleurs voir les effets de cette force. Monsieur, vous et vous seulement, debout, allez on s'arrache, allez on s'arrache, allez on s'arrache, allez monsieur, je peux peut-être vous aider, allez, les deux pieds parallèles et les mains dans le dos s'il vous plaît, les mains dans, monsieur, venez avec nous, les mains, cherchez une position d'équilibre, les mains dans le dos, mademoiselle, allez, on se lève, on se lève, on se lève. On se lève, on se lâche, je vous aide aussi, les mains dans le dos, debout, c'est bien, madame, debout, allez, allez, les mains dans le dos, les mains dans le dos, les mains dans le dos, allez, tu te lèves, allez, voilà, ça y est. Bon, ils ont dû se battre pour se lever contre cette force qui les plaque contre le fond du siège. La force d'inertie centrifuge. Vous connaissez tous et toutes le nom. Bon, mais maintenant, dites-moi, normalement, quand on se tient debout, eh bien, on se tient vertical. Qu'est-ce que c'est que cette position?
Allez, tenez-vous vertical, vertical, vertical. Non, mettez-vous. Ah, ça tient pas. Asseyez-vous avec grâce, élégance et distinction, s'il vous plaît. Allez, asseyez-vous. C'est gracieux. Une petite pause. La force centrifuge, la première de ces forces d'inertie. Il y a suspendu sur ce plateau un niveau d'eau qui nous montre, comme tous les niveaux d'eau, l'horizontale. Vous le voyez, la surface de l'eau colorée en bleu. Et voici un fil à plomb qui, lui, matérialise la verticale. D'ailleurs, on peut vérifier, le contraire serait surprenant, que la surface de l'eau prolongée jusqu'au fil forme un angle droit, bien sûr. On tourne. Tout le monde va bien encore? Oui? On ne peut plus se fier à rien du tout. Regardez-moi la surface de l'eau. Elle nous montre n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un arc de parabole. Et regardez le fil à plomb qui est en train de s'incliner vers l'extérieur au fur et à mesure que la vitesse de rotation augmente. Il est incliné de près de 25 degrés vers l'extérieur. Enfin, la pesanteur n'a pas changé. Elle est toujours dirigée verticalement. Eh bien, il matérialise une pesanteur apparente oblique, celui-ci. Et d'ailleurs, je veux vous faire remarquer que si moi, je veux me tenir debout, stable, tranquille, regardez l'orientation de mon corps, la même, pour moi comme pour lui, maintenant, la pesanteur, elle est oblique. Mais les spectateurs extérieurs vont me dire, mais non, la pesanteur, elle est toujours par là, vers le centre de la Terre. Oui, mais nous qui sommes sur le plateau, nous subissons notre poids qui est bien vertical, mais nous subissons aussi cette force qui nous tire par la ceinture, la force d'inertie centrifuge. Et tout naturellement, on se place selon la diagonale, la résultante, comme disent les physiciens. Une pause. Vous voyez que lorsque l'on s'arrête, eh bien, l'eau reprend sa position horizontale et le fil à plomb sa direction normale verticale. Eh bien, il y a un problème. Cette force centrifuge, elle n'existe pas. C'est quand même assez extraordinaire parce que vous l'avez senti. Moi aussi, je l'ai senti. Mais ce n'est pas une raison. Pour les observateurs extérieurs, cette force centrifuge n'existe pas. Il n'y a pas de force qui vous plaque contre le fond du siège. Pour les observateurs extérieurs, la force qui agit sur vous, sur vous, sur vous, sur vous, et sur moi également, mais aussi la force qui agit sur la boule ou sur l'eau dans la cuve, lorsque nous tournons, ce n'est pas une force qui tente à nous éjecter comme on le croit. Pour les observateurs extérieurs, quand on tourne, la force qu'ils voient agir sur mademoiselle qui est ici n'est pas celle que nous pensons. Non. Celle qu'il voit agir, c'est une force qui fait quoi? C'est une force qui fait ça. Pardon, pas aussi brutalement. La seule force qu'il voit agir sur la boule, ce n'est pas une qui tire vers l'extérieur, c'est une qui la pousse. Mais ce n'est pas possible. Nous, nous sentons le contraire. Ils ont un argument pourtant, et ils me l'expliquent. Si jamais, me disent-ils, mademoiselle, lorsque vous tournez, n'était pas sans arrêt poussée dans son dos vers le centre, et encore vers le centre, et toujours vers le centre, et en permanence vers le centre, vous savez ce qui lui arriverait, la malheureuse? Elle partirait en ligne droite, à 2,50 m à la seconde, et d'ailleurs, elle serait certainement très mal sur le pylône qui est là-bas. Fort heureusement, elle a la vie sauve. Pourquoi? Parce qu'il y a un objet qui, sans qu'elle s'en rende compte, alors qu'elle a envie de filer tout droit, vient à la rencontre de son dos et la renvoie vers le centre, et toujours vers le centre, et la force, en quelque sorte, à prendre le virage malgré elle. Voilà ce qui lui sauve la vie. Mademoiselle, la réalité c'est ça. Il y a un objet qui vient à la rencontre de votre dos sans que vous vous en rendiez compte et qui va vous pousser vers le centre et qui vous sauve la vie. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, mais je peux le demander également à d'autres personnes,
Quel est cet objet? Non. C'est le banc. La réalité, c'est ça. Lorsque nous tournons, alors que nous aurions envie de filer tout droit, c'est lui qui vient à la rencontre de notre dos et qui nous renvoie par là, et encore par là, et toujours par là. La seule force qui agit sur nous, elle est dirigée vers le centre. Eux en ont une claire notion, et ils l'appellent la force centripète. Mais nous qui sommes assis dans le manège, et la preuve vient d'en être donnée, on est incapable de se rendre compte de ça. On est incapable de voir que c'est le banc qui vient nous pousser vers le centre. Et on se met à tout comprendre à l'envers. On croit que c'est nous qui appuyons sur lui, alors que c'est lui qui nous renvoie vers le centre. On invente une force. Pour eux qui ont le juste point de vue, elle n'existe pas. La force centrifuge, nous l'inventons que parce que nous sommes des mauvais observateurs qui sont situés sur ce plateau en train de tourner et qui n'avons pas une juste vision de la réalité. Ce sont eux qui ont la juste vision de la réalité. On les appelle des observateurs galiléens. Et nous, nous ne le sommes pas. Nous sommes dans un système qui ne permet qui, dans lequel s'introduisent ces forces bizarres qu'on appelle les forces d'inertie, dont on ne voit pas l'origine d'ailleurs. C'est normal, elles n'existent pas. C'est ce que les physiciens appellent des forces fictives. Alors, la force centrifuge n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on la sent bien ? Tu vas venir te mettre ici, à 50 cm de l'axe. Voilà. Tu regardes bien. Voilà. Vous allez venir mettre ici, prendre un petit peu plus grande. Voilà. Madame, vous allez venir vous mettre ici. Voilà. 50 cm de l'axe. 1 m20 de l'axe. 2 m 25, peut-être une position assez dangereuse là, de l'axe. On va tourner. Tout va bien. Le dossier leur sauve la vie. Non, parce que là, il n'y a plus de dossier. Diable, par quelle partie de leur corps va-t-on exercer la force qui les contraint à tourner avec nous? La force centripète, la vraie. Ben, c'est par les pieds. Vous voyez qu'ils reposent sur la moquette. Et c'est simplement le frottement, l'adhérence des pieds sur la moquette, par l'intermédiaire des semelles, qui va permettre à la force centripète de les contraindre à tourner. Seulement, il y a un problème. Et tout le monde le sait, quand on monte sur un tapis et que quelqu'un tire le tapis brutalement, on vient avec le tapis, mais en même temps, on tombe à la renverse. La petite demoiselle va tomber à la renverse sur la demoiselle moyenne, qui va tomber à la renverse sur la dame qui est ici. Et, ben écoutez, vous essayez tout de même d'éviter cela, alors vous allez chercher votre équilibre. Les mains dans le dos, s'il vous plaît. Comment faire? Sachant que la force centrifuge que nous ressentons, bien qu'elle n'existe pas, tente à faire basculer vers l'arrière, et bien tout naturellement se pencher vers l'avant. Et quand on trouve son équilibre spontané, l'inclinaison, regardez l'inclinaison des trois corps, beaucoup moins marquée pour la première petite demoiselle en noir, davantage pour la seconde, et bien plus grande encore pour madame qui est à l'extérieur. Interprétation pour nous qui sommes sur le manège. Si madame s'incline beaucoup plus que la première demoiselle, c'est certainement parce qu'elle se sent tirée par la force d'inertie centrifuge vers l'extérieur beaucoup plus fortement. Interprétation pour les physiciens du dehors. Si madame se penche davantage, c'est parce que la force centripète qu'on doit appliquer au niveau de ses pieds vers le centre est certainement plus importante que celle qu'on doit exercer pour contraindre la demoiselle en noir à tourner. Et donc, pour résister au basculement, madame s'incline davantage. Voilà la véritable interprétation. Madame, vous allez garder cette inclinaison, s'il vous plaît.